Tu aurais bien besoin d'une rédemption, Harry. Je peux t'aider si tu veux. Tu t'es bien battu, Harry. Enfin, sauf quand tu nous as abandonnés, Xaya et moi. Flirter avec les ténèbres, c'est déjà ringard, Akali. Trouve-toi une personnalité. T'as des ramen dans le ciboulot, Akali. Oh, j'aimerais pas avoir ton emploi du temps, Kaïsa. Voilà pourquoi ça ne sert à rien d'étudier, Kaïsa. Quoi de neuf, Sarah? Toujours en colère après tout le monde? La mort aide à oublier la colère, Sarah. Tu verras. Hé, hey Nico, tu fuis pas pour une fois? Oh, quelle bravoure! Et maintenant, tu sais ce que ça fait de mourir pour de vrai, Nico! Désolé, Oriana, tant de charisme, ça doit détraquer tes capteurs. Oh, j'entends encore les rouages dans ta tête, Oriana! Trop bizarre! Ne m'approche pas, Séraphine! Pas de câlin! Je t'avais dit que je ne voulais pas faire de karaoké, Séraphine, mais non, il fallait que tu insistes! Tu veux connaître le secret d'une bonne relation de couple, Senna? Il faut être un couple! Ah, le gros fusil de Senna n'était pas de taille contre mes gros biceps! C'est un vrai combat, Xaya, ou un genre de parade nuptiale? Les fins heureuses, ce n'est peut-être pas pour nous, chérie. Tu sais pourquoi je t'aime, chérie? Parce que tu es mi-gentille, mi-mauvaise et re-mi-gentille derrière. Xaya, tu m'aimes toujours, hein? Xaya? Eh, Zoé, tu te souviens quand t'étais gigantesque? J'étais tout petit et je t'ai quand même battu! Personne ne se sacrifiera pour toi, Zoé! Oh, avec toi, la première étoile va devenir l'étoile de seconde zone! Je ne suis pas corrompu, c'est juste que tu étais super pénible! Écoute bien, camarade des étoiles, mon boulot c'est de vaincre les ténèbres, le tien c'est de me regarder et d'approvisionner Riku Angel. On affronte des gardiens des étoiles? Ils doivent être jaloux de mon score à la salle d'arcade. Ils ne le battront jamais. Riku, ne dis pas des choses pareilles. On est les gentils maintenant. Naze en vue. Même une rédemption n'arriverait pas à te rendre charismatique. On peut faire vite, s'il te plaît. J'ai des ramen qui m'attendent. C'était ça ton plan? Ah, oh, dur. Pas de rédemption pour toi. Même dans le camp du bien, je fais un malheur. Je suis juste trop brillant pour toi. Mon cœur s'est emballé pendant un instant. Non, Riku, pas de trait d'esprit cette fois-ci. Trop tôt, Riku, trop tôt. Premier sang pour la première étoile. Ok, je peux rentrer maintenant? Ouais, j'ai réussi ça tout seul. Moi, Rakan. Ma coiffure est plus résistante que ce machin. Les gentils, les méchants... Tout le monde aime casser des trucs. Ah non, Xaya a raté ça. Elle adore me voir semer la destruction. Quoi, c'était ton nid? Mais fallait me le dire plus tôt, Riku. Ah. Encore une victoire de Rakan. Ouais, ouais. Oh, regardez qui a fini en beauté. Rakan est fier de toi. Tu ne viendrais pas de me voler ma cible par hasard, hein? Bravo, tu n'as presque pas eu besoin de moi. Fais gaffe, j'ai été maléfique! Faisons vite, j'ai un rendez-vous. Tu vas le sentir passer. Oh, tu l'auras voulu. Oh ouais! Nul n'échappe à la lumière. Riku, tu... Non, non, gifle! Toi et moi, allons. Vive les nazes des étoiles! Tu veux te battre? Vraiment? Trop classe pour toi! Tous les monstres du chaos sont donc moches, hein? Je reviendrai, Xaya. Allez, c'est reparti! La mort ne peut rien contre moi. C'est ce que j'ai dit, contre nous. Mais où sont mes barres chocolatées? Dans les ténèbres comme dans la lumière, je suis toujours brillant. Rakan! J'adore entendre mon nom. Ai-je toujours des pensées maléfiques? Je ne vous le dirai jamais. Première étoile, étoile du crépuscule, je trouve les deux plutôt bof. Je vais sauver le monde à coups de gifle! Ah, Xaya adore les gentils vilains garçons.
Mon étoile brille à nouveau. Ouais ! Dans les ténèbres, c'était impossible de prendre un bon selfie. Eh ben, il nous en est arrivé des trucs, pas vrai, Riku ? Le bien et le mal sont des notions abstraites. Tout le monde aime les rédemptions. J'ai beau être un mal, je le fais bien. Ça fait de moi un mal nécessaire. Ah, je suis sûr que cette rédemption m'a rendu allergique aux cacahuètes. L'amour triomphe toujours. Surtout le nôtre, Axaya et moi. Tu as toujours été à mes côtés, Riku. Ouh, être bon, c'est étonnamment chaotique. Bon, allez, tout le monde a une phase émo. Et je vais encore devoir trouver un nouveau coiffeur. Eh, hey, mais est-ce qu'une renaissance donne droit à un re-anniversaire ? Oh, Riku, la rédemption t'a rendu bagarreur. Toi, oui, ça je sais. Tu crois que l'étoile du crépuscule est rancunière ? Oui, mais évidemment ! Allez, Riku, on a des ténèbres à combattre. Ouh ! Ça fait du bien d'être à nouveau dans le camp du bien ! Oh, mais que vois-je ? Le plus séduisant des gardiens des étoiles serait-il de retour ? Eh oui, et tout ça grâce au pouvoir de l'amour. Oula, oula, tu es bien trop excité pour être la vedette ! Une prochaine fois, peut-être. Eh, Riku, et si c'était toi qui te battais pour une fois ? Bon, nous revoilà du côté de la première étoile. Qu'est-ce qu'on est censé faire déjà ? Ah oui, exaspérer les gardiens des étoiles et, si on a le temps, vaincre les ténèbres. Les ténèbres n'avaient que la corruption et le chaos à m'offrir. Les gardiens des étoiles, eux, m'ont offert des ramens. Je ne trahirai plus jamais la première lumière. Non, promis juré. Tout le monde devrait devenir méchant de temps en temps. C'est super bon pour la peau. Quoi ? Oh, désolé, j'ai cru entendre quelqu'un demander qui était le gardien des étoiles le plus classe du monde. Spoiler, c'est moi ! De prince des ténèbres à sauveur de la galaxie. Y a pas à dire, je sais tout faire. Avec Xayah et moi, la rédemption va redevenir tendance. Certains ont un train de retard, moi j'ai un train d'enfer. Et surtout, j'ai la classe. J'ai dit que les gentils se mentaient à eux-mêmes ? J'étais maléfique à l'époque. C'était moi qui mentais. Quand les gens me demandent pourquoi je change de camp, je leur réponds toujours « Vous êtes qui, vous ?» Je sais que je plaisante souvent, Riku, mais je voulais te dire que je serais rien sans toi. À l'aide, les nazes ! Danger, très gros danger ! Où sont les méchants ? Ne commencez pas sans moi ! Du nerf, doublure ! Besoin d'encouragement ? Tu m'as appelé ? Je partage ma coolitude. Ha ! Fais un vœu ! Ha ! Frappe cosmique ! Plus tard, les autographes ! Nous devons protéger ces étoiles ! Riku, sors-moi d'ici. Au nom de la première lumière ! Oh, mes cheveux ont besoin de gel. Les ténèbres peuvent attendre, mais pas mon estomac. Mes plumes ne vont pas se lisser toutes seules, et c'est bien dommage. Je reviendrai tôt ou tard. Bref, super boulot, les gars. Ne m'attendez pas. Je profiterai de cette nouvelle chance pour être plus gentil. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui, d'éviter de mourir. Waouh, cette nouvelle crème capillaire est vraiment revigorante. Ça fait toujours aussi bizarre. Tout ce que je veux dire, Riku, c'est que t'aurais dû me prévenir. Personne ne se débarrasse de moi sans l'accord de Xayah. Je veux vos meilleurs chocolats, dans vos meilleurs emballages et... évidemment, au meilleur prix. Riku, va chercher mes coupons de réduction. Psst. Je cherche un cadeau spécial pour mon ami. Je n'ai rien perdu de ma superbe. La première étoile m'aime toujours, hein. Rakan, espèce d'irrésistible génie, tu assures un max. Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! J'ai gagné en coolitude. Je ne suis pas rancunier. Quoi ? J'essaye d'être utile. Remercie Riku. Vive la rédemption. Bien, le spectacle va commencer ! Eh, tu me fais de l'ombre. Je vise le sommet ! Ha ! Ha ! Tiens, Riku, un biscuit des étoiles ? Vas-y, mange-le.
Hey, mais tu mets des miettes dans mes cheveux! Je pourrais te tuer, mais je le ferai pas. Mais je pourrais. Ah, je me sens super bien! Et toi, mon petit Riku? Hey, du calme, hein, tout le monde déteste les crâneurs. Oh, tu as réussi à faire bailler Riku? C'est super dur, tu sais. Alors on sauve l'univers, c'est ça? Ah bon, on a un plan? Tiens-t'en au plan. Les nullos des étoiles ont toujours un plan. Ok, je te fais confiance. Ah, oh, tout m'énerve aujourd'hui. Oh, je sais comment te redonner la pêche. Tuons les ténèbres! Tuons les ténèbres! Eh, hey, écoute, j'ai un plan du tonnerre. Il a intérêt à être bon. Laissons Riku prendre les décisions. Gifle-le pour moi, Riku. Tu penses qu'on va s'en sortir? Évidemment, c'est nous. Évite de devenir maléfique. Et c'est toi qui dis ça? Si ça se passe mal... Ils finissent toujours mal. Mais non, parfois seulement. Sérieusement, Xayah... De toute façon, tu improvises toujours. Tu as besoin d'un héros flamboyant, tu le sais bien. Tu te souviens de cette planète lointaine? Celle où on s'est embrassé? J'aimerais y retourner un jour. Pas besoin d'aller si loin pour s'embrasser, tu sais. Tu crois que ces nazes du cours de techno savent qu'on est mort? Non, ils sont trop occupés à construire des porte-clés. Hein? Pourquoi? Parce que ce sont des gros nullos. Tu es ma famille conique, tu es mon rubis saphir, je suis ta rose lyrique, je suis ces gens qui t'admirent. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige, dans les fleurs de vermeil. Si tu n'es pas prêt... Je suis toujours prêt. Ok, alors dis à Riku de ranger ce peigne. Hein? Mais le vent pourrait me dépeigner? C'est quoi ces trucs que t'as aux pieds, là? Quoi, mes chaussures? Ouais, j'aimerais avoir les mêmes avec des roulettes. Tu sais quoi, Xayah? Non, dis-moi. J'ai... Oh mince, j'ai oublié. Il faut que tu fasses plus attention. Je suis déjà mort deux fois, tu crois que je peux encore mourir? Tu sais de quoi j'ai envie? D'un bol de ramen de chez Noodle Bill? Avec des nouilles au chocolat! Beurre craquant! Non, c'est... C'est bon, les nouilles au chocolat! Je te trouve très cavalière, tu sais. C'est parce que je le suis. Et j'adore ça. On doit faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à notre chute ou notre mort. Fichu serment. Oh, je savais que j'avais raté un truc. Je suis toujours dans le coup, non? Oh, chaton, reprends une barre chocolatée. Ah, oh, j'ai oublié de dire un truc cool avant sa mort. Tu veux un petit bisou pour te consoler? Ne casse pas l'ambiance, chérie.